Que s'est-il passé ce samedi soir, pour que Vianney fonde en sanglots? Le nouveau coach The Voice, qui nous a habitués à sa bonne humeur et à son hyperactivité, a été bouleversé par la performance d'un candidat, ce 13 février. Sélectionné par Marc Lavoine, Tariq, étudiant en kinésithérapie de 21 ans, a chanté pour le jury une de ses compositions, Mon chéri. Et la dernière phrase de son slam a touché Vianney en plein cœur. Oui, tu n'es pas né, je ne te verrai pas, jamais. Mon fils, ne m'en veux pas mais je vais devoir t'avorter, a récité le jeune homme. Après avoir d'abord essuyé discrètement ses premières larmes, Vianney a caché ses yeux rougis, et en pleurs, il a avoué, je ne vais pas arriver à parler, je suis désolé, la voix tremblante. Mais qu'est-ce qu'il se passe mon petit poulet? Lui a demandé Marc Lavoine, et Florent Pagny de répondre à sa place, Ben il s'est fait gauler par sa chanson. Et tandis qu'Amel Ben t'a confié à Tariq, c'est vrai que c'est très émouvant ce que tu as fait, Vianney lui a de son côté déclaré, merci beaucoup mon pote. Mais qu'est-ce qu'il se passe mon petit poulet? Lui a demandé Marc Lavoine, et Florent Pagny de répondre à sa place, Ben il s'est fait gauler par sa chanson. Et tandis qu'Amel Ben t'a confié à Tariq, c'est vrai que c'est très émouvant ce que tu as fait, Vianney lui a de son côté déclaré, merci beaucoup mon pote. Pas tous les jours comme ça hein, F.A.